Yo les gars, on se retrouve pour une petite vidéo sur Genshin Impact, vite fait, vraiment vite fait. On va voir un bug. J'ai vu la vidéo de NoCapt qui a parlé de ce bug et la vidéo est très cool. Je vous laisse aller regarder. Et je me suis renseigné et le bug il existe depuis plus de 20 heures. Genre, il est toujours pas patch alors qu'il y a eu une mise à jour et tout, c'est toujours pas patch. Et en gros, c'est un bug pour spam des attaques à l'infini. Donc la team c'est ça, Bennett, Zhongli, Venti, Diluc. C'est la team que tout le monde utilise pour le bug, mais en réalité vous avez besoin juste de Venti et Diluc. Bon déjà, faut avoir les deux persos, c'est un peu galère. Moi les miens ils sont même pas build, vous allez voir. Attendez, je vais les soigner vite fait. Mais mon Venti je l'ai monté un petit peu et Diluc aussi, mais regardez ils sont au niveau 50, 50, 40. C'est un peu nul. Mais je vais vous montrer quand même, c'est rigolo. Et moi je m'en fiche de faire des dégâts, etc. Je veux juste que le bug il soit rigolo. Et je voulais juste tester. Donc je vais essayer. C'est pas dit que je vais réussir du premier coup parce que c'est un peu galère à faire, je vais pas vous mytho. Mais je vais vous montrer quand même ce que ça donne. Attendez. Donc déjà il faut que le boss il bouge pas. Hop, je vais mettre ça. Attendez, je vous explique après, mais d'abord on teste. Ah j'ai raté, j'ai raté. Putain. J'ai raté, big flop, big flop. Attendez, on va réessayer, on va réessayer. C'est grave dur, je sais pas comment ils font pour réussir tout le temps du premier coup, moi je galère de fou. Hop, donc on va réessayer. En plus j'ai vraiment des frères, mes persos ils puent du cul. Attends, on va réessayer. Donc en gros le truc c'est faire le E maintenu de Venti pour qu'il y ait un courant d'air gigantesque. Après vous faites l'attaque et tout, enfin bref, vous verrez. Hop. Donc attends. Oh oui, let's go! Là vous voyez, bon moi je fais pas beaucoup de dégâts, mais la barre elle descend quand même, elle descend quand même un peu. Tadam! Bon bah j'ai pas fait beaucoup de dégâts, mais vous avez vu que frère c'est trop drôle, j'aime trop. Frère c'est vraiment trop drôle. Mais du coup bon, ils font pas de dégâts mes persos. J'ai essayé de mettre, en gros j'ai mis les artefacts. Bon lui j'ai mis les artefacts de Keqing, lui je crois que je lui ai mis de Jinkyo, et lui j'ai dû mettre ceux de Xiangling. Il y a que mon Bennett qui est build, hein. Mais sinon les trois là ils sont pas build. Je leur ai mis des armes random, gros niveau 50. Enfin, j'ai fait n'importe quoi pour qu'ils fassent le max de dégâts, tu vois. Mais bon, ça a marché pas trop. Donc attendez, je vais vous réexpliquer pour ceux qui veulent tester. Bon, il y en a plein qui disent vous mettez l'ulti de Bennett pour faire plein de dégâts, vous mettez le E maintenu pour faire plein de dégâts, vous mettez l'ulti de Diluc. Mais en vrai, vous avez même pas besoin. Vous mettez juste le bouclier de Zhongli au cas où pour de la protection. Donc là, vous mettez le E, mais vous maintenez. Donc maximum, vous maintenez. Bam. Quand vous êtes en l'air, bah, vous faites une attaque plongée pour ratterrir sur le sol. Ensuite, vous faites le E de Diluc. Et c'est dès que vous allez appuyer sur le deuxième E que vous spammez comme ça. Saut plus attaque, donc clic gauche. Donc saut plus attaque. Donc l'attaque normale, tu vois, plus le saut. Et donc tu spammes les deux. Juste après avoir fait ton deuxième E. Donc 1, 2, et là tu spammes les deux. Sauf que pour que ça marche, il faut qu'apparemment le boss soit immobile. Je sais pas si c'est vrai. Mais vous pouvez essayer sur tous les boss, mais normalement faut il faut qu'il soit immobile. Donc je vous conseille soit Viviane qui est ici là, Viviane elle est là là. Sinon le boss Crabe, moi c'est celui avec lequel j'ai réussi le plus parce qu'il fait pas beaucoup de dégâts, donc c'est parfait. Je crois que ça marche aussi sur les danseurs et sur le triangle des Bermudes qui est là. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est assez rigolo je trouve. C'est dommage que moi je build pas mes persos parce que mes seuls persos qui sont build, c'est Keqing, Xingqiu et Xiangling. Tout le reste, ils sont tous niveau 20, Tema. Enfin non, là, voilà, ils sont tous niveau 20. Je build pas mes persos, donc c'est dommage que je fasse pas beaucoup de dégâts. Mais voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Petit code créateur NSQ sur tous les jeux, et puis ciao!